Déjà, la première chose, j'ai félicité les joueurs pour la victoire parce que c'est quand même le plus important dans notre métier, c'est de gagner les matchs. Soit on gagne, soit on perd. Donc déjà, c'est la première chose, on a gagné. Après, pour vous avouer, franchement, c'est ce que je leur ai dit dans les vestiaires, je ne suis pas du tout content de la prestation. Je trouve qu'offensivement, on a fait relativement un bon match ce soir. Et c'est bien parce qu'on voit une équipe qui progresse. Mais il ne fallait pas oublier que c'était une toute nouvelle équipe, donc ça prenait du temps. Par contre, je suis très mécontent contre les joueurs par rapport aux aspects défensifs ce soir. Un aspect, déjà sur le jeu rapide du Mège, dès leur jeu de transition, on a pris trop de points. Et je pense que si on avait réussi à couper ce secteur-là, on aurait eu un match beaucoup plus facile. Il y a une deuxième chose que je n'ai pas aimé aussi, c'est la manière dont on est rentré dans le match, parce qu'on a réagi en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que c'est un peu notre problématique. Mais voilà, j'ai dit aux joueurs aussi que j'assumais et que... Je pense que moi aussi j'aurais pu être mieux sur la semaine de préparation, on aurait dû un peu plus travailler défensivement, donc on va essayer de corriger les choses, parce qu'on atteint un niveau offensif qui est bon, mais défensivement on n'est pas au même niveau que notre attaque, donc si on veut aller chercher le titre et si on veut faire une très grande saison, il va falloir qu'on soit une équipe pour défendre, qu'on défende beaucoup plus, mais bon, voilà, ça c'est mon avis de technicien, parce qu'on peut toujours améliorer des choses. Quand même féliciter les joueurs parce que c'était pas un match facile, ils ont jamais lâché et au final c'est l'IRT qui a gagné ce match, donc c'est le plus important. C'est un grand honneur de les revoir parce qu'ils nous apportent énormément d'énergie et les joueurs, le staff, le comité, on attend qu'ils soient là pour nous parce qu'on veut représenter ce public, un grand public au Maroc et en Afrique, donc voilà, ça nous a fait très plaisir, très chaud au cœur de les revoir. Ils ont été incroyables ce soir, comme on dit, c'est notre sixième homme. Ils nous aident beaucoup dans nos prestations, surtout à domicile. Et voilà, on les remercie vraiment beaucoup pour le travail qu'ils ont fait ce soir à nous encourager à déstabiliser les adversaires. Anne, j'ai eu la chance de les avoir l'année passée.
Du coup, fait le début, il y avait une différence dans le match. Il n'y avait pas de motivation pour le terrain. Mais du coup, nous, ça donne l'envie de sortir le match qui est bien. On a un match que nous avons vu sur le terrain. بالنسبة لنا هاد الماتشات بحال هكا تكون عندهم واحد الطعم خاص زعما بغيتي ولا ما بغيتيش راه ملي كتدخل التيران وكتحط رجلك راه كتحس بديك لا ديفيرونس بينه راه ماشي ماتش عادي سورتو بالنسبة للناس ديال المدينة سواء الكوميتي سواء الجمهور راه بالرغم كيبغي يشوف شي حاجة اللي شنقول لك يشوف الفرقة ديالو تتربح في الديربي باسكو راه شي حاجة في المدينة أكثر من اللي هو ماتش عادي نورمال. Sur ce derby, j'ai retenu que bon c'était le même le président il est venu nous voir avant le match, il nous a dit que c'est un match comme les autres. Et qu'il faut. C'est pas un match comme les... Oui, bien sûr, mais dans le fait qu'on est toujours sur une progression, on est en début de saison. L'important, c'est qu'on progresse chaque match, et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Même le coach, il fait un très bon travail avec nous toutes les semaines. Tous les jours, on est dans le gym, tous les jours, on fait du travail différemment. Et voilà, c'est quelque chose qui va prendre étape par étape pour qu'on se construise vraiment. Et voilà, c'est très positif aujourd'hui. Et le derby, ça se joue pas, ça se gagne, comme on dit. Et voilà, on est fiers. T'as compris ma phrase. Ouais. Ah, c'était sa phrase. Copyright. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.